je pense qu'on sait qu'on peut faire mieux. Il y a des excuses, bien sûr, il y a des blessés, il y a des choix, il y a des moments dans le match qu'on pouvait faire le 2-0. Mais après, on doit se regarder et je pense qu'on doit se dire qu'on peut faire mieux. Teşekkürler hani takdiriniz için. Elbette ki daha iyi yapabilirdik bu akşam. Şunu da söyleyebiliriz. Sakatlarımız olduğunu da söyleyebilirdik. 2-0 olabilirdi maç. Ancak bunu biraz zorlandık bunu yapmakta. Onun için bu kadar. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est mon rôle. J'ai l'âge. Je pense que le club aussi pour ça ils m'ont acheté. Et après, peut-être aujourd'hui c'est moi, j'espère jeudi c'est un autre et le prochain match c'est quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est un grand club, on est le plus grand de Turquie et quand tu es dans un grand club, il y a beaucoup de leaders et aujourd'hui c'est moi et j'espère qu'un autre jour c'est un autre. Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim hani rolüm olabilir, evet. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi, beni bunun için aldı. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye'nin en büyük takımında oynuyoruz. Tabii ki bugün ben hallettim, başka günde başka oyuncu halledebilir. Je pense que aujourd'hui on ne doit pas parler des arbitres, on doit regarder juste à nous. On peut faire mieux et c'est pas à moi de parler des arbitres. Je pensais que c'était but, mais bon, c'est dommage. Mais après, je pense qu'avec avec toutes les choses qui se sont passées, on doit essayer de respecter un peu plus les arbitres. Et je suis le premier, hein, parce que j'ai pris carton jaune et je m'excuse pour ça. Mais je pense qu'on doit commencer à respecter plus l'arbitre. Moi d'abord, et après, on doit regarder à nous. Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamız lazım. Biz sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Yani. Burada kendimize daha çok odaklanmalıyız. Aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olan olaylardan sonra onlara saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Hani burada daha çok konuşulması gereken hani biziz ve hakemlere saygı göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ça va être un match difficile. À la maison, on gagne parce que déjà le stade il est parfait, il est beau. Jouer ici, pour moi, c'est, après beaucoup des années dans le foot, c'est toujours spécial et ça me donne. C'est trop joli. Les fans aujourd'hui, c'est un lundi, c'est plein. Ça donne quelque chose, même à moi qui a 36 ans, il a joué dans beaucoup de stades, mais je pense que c'est un des plus beaux stades dans le monde. Avec des supporters spéciaux et ça donne quelque chose. Je pense que il y a même un moment sur le 1-1 et qu'ils ont commencé à crier et ça donne quelque chose, ça donne du énergie et je pense qu'aujourd'hui je peux pas dire qu'on a gagné grâce à eux mais ça a donné qu'un impact. Açıkçası gelecek hafta ile ilgili zor bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Çünkü evde yani burada Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü mükemmel bir atmosfer var ve ben bile bir sürü statta senelerce oynadım ve hatta bugün pazartesi günü olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyanın en güzel atmosferlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bugün bir yere 1-1 olduğu zamanda hemen desteklerini sundular ve bize enerji sundular, verdiler. Dolayısıyla muhteşem bir atmosfer içerisinde oynuyoruz burada Ali Sami Yen'de oynayarak da.